Bien le bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la démo de Détroit que je n'avais pas pu faire à la Paris Games. Oui, désolé si je vous entendais brrr, c'est que... Il y a un petit ventilateur parce que je crève très beaucoup de chaud, hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, on va essayer de changer ce que j'ai fait, donc le jeu sera là, pour vous voyez dans le reflet, derrière moi, ici. Ah, hop, déjà. Alors moi, la fois où je l'ai fait à la Paris Games Week, j'avais pas eu le droit de filmer la démo, et je sais qu'il y a plusieurs fins possibles, donc moi, j'avais fait en sorte que on crève tous les deux. En fait, le héros, là, il s'est jeté, hop, il a fait un plaquage au mec, ils sont tombés tous les deux. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'un peu mieux fouiller, parce qu'apparemment, si on trouve des indices avant dans l'appartement, etc., ça donne plus d'opportunités de choix pour les paroles, etc., donc différentes fins, ce qui est plutôt assez intéressant. Donc on va essayer de faire une autre fin, et pas tomber comme des cons les deux en même temps, on va essayer de sauver tout le monde cette fois-ci, ou de tuer tout le monde, parce que ça peut très mal finir, on sait pas comment ça va se passer. Let's go! Et ne vous inquiétez pas, là je retourne à la webcam, mais j'ai commandé une bonne caméra. Ça va faire du bien, vous allez voir, ça va changer la vie. L'autre, elle chauffait trop, ça me faisait chier. Donc nous commençons dans ce petit ascenseur, nous sommes un négociateur, mais nous sommes un robot, nous ne sommes pas un humain, et ce que je me rappelle bien, la femme n'est pas très contente. Vous voyez, là il y a un petit truc pour interagir là. Non, mais je m'en fous, toi. Pourquoi j'ai pas de son? Donc voilà, on peut s'agenouiller. Ceci est un poisson sauvé. Je peux le sauver. Ah, ça, je l'avais pas fait, ça, vous voyez. Je découvre des choses encore. Hein. Parce qu'à la Paris Games Week, bon, c'était assez vite, hein, vu le monde, on n'avait pas tellement le temps de fouiller. Donc là, je sais pas si ce choix-là a fait quelque chose, finalement. Ok, donc je peux explorer comme ça. Donc là, il y a toute la police et tout qui fait attention, ils sont dangereux. Du coup, faut que j'essaye de pas aller de suite là où il faut. Donc, je crois qu'il faut aller là dehors. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, trouver le commandant Allen. Probabilité de réussite 48%. Ok, on peut analyser. Et je suppose que c'est la balle. Pas du tout. Là, ok. On va reconstituer la scène. Oui, le monsieur a pris le pistolet et tout ça. Ah oui, d'accord. Donc là, il a pris la mallette. Hop, hop. Par ici. Le déviant a pris l'arme du père. Vous voyez, en fait, c'est un putain de jeu de recherche d'énigmes et tout, j'adore. Donc là, je suis passé à 51% de chance de réussite. Je sais pas pourquoi. Bon, le seul défaut que je dirais, c'est qu'on peut pas courir, ça, c'est un peu agaçant. C'est une tablette. Glissez votre doigt sur le pavé tactile. Hein. Wouah, comme une vraie tablette. Moi c'est Daniel, l'androïde le plus cool du monde. Dis bonjour Daniel. Ah donc ils se connaissent. Et on sait son nom. NT les 5. Donc on a 57% de chance de réussir. Qu'est-ce donc? Ça c'est son collier du coup. Non, c'est de la musique. Pour ceux qui avaient un collier, ça va. Hein. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Donc ça, c'est le padre qui s'est fait tirer dessus. Donc je peux analyser. Donc analysons les yeux. Pourquoi, je ne sais pas. Ah ouais, ça dit vraiment rein gauche perforé et tout, quoi. C'est cheaté un droïde en fait, hein, putain. C'est bien si on avait ça en médecin. Calmez l'otage. Tu dois me faire confiance, je suis là pour t'aider, je veux pas de ton aide, personne ne peut m'aider, mais si on peut t'aider. Ok, l'officier a besoin de soins. Emma et toi. Vous voyez, ça je l'avais pas eu, c'est un truc qu'on a débloqué. Tu penses qu'elle trahit, mais elle n'a rien fait de mal. Oui, je peux pas là, monsieur. 2 minutes. Ah! Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ah! Je sais pas si ça va réussir. Ok, on est en train de le raisonner, on est en train de le raisonner, tout va bien. Parlez à l'otage, parlez à l'otage. Tout va bien, Emma, tout va bien, on se calme. On va te sortir de là, on ne va pas tous se jeter, comme la dernière fois, ne t'en fais pas. Non, je crois que je l'avais sauvé, mais nous, par contre, on s'était pas du tout sauvé.
Reste calme, tout va bien se passer. Allez, va-t'en. Je suis négociateur. Il n'y aura pas de mort, je négocie. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok, ok. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Nous allons simplement discuter. Ok, ok, ok. Oui, il y avait des trucs bloqués encore, hein, que je pouvais pas dire. Hein. Ok, je te fais confiance. Oui, voilà. C'est bien. Doucement. C'est ça la confiance? Parce que là, il vient de se prendre 3 headshots dans la gueule, quand même. Hein. Mais on a sauvé la fille, on s'est pas suicidé. En soi, c'est plutôt pas mal. Ok, je peux voir le chemin que j'ai pris. Ah, vous voyez toutes les possibilités qu'il y a, c'est incroyable. Du coup, vu que c'était assez court, ce qu'on va faire, on va re-essayer une autre fin. Ah, mais c'est pour ça, du coup. Là, quand il s'est fait tirer dessus, faut regarder où ça, où c'est parti. Ouah, mais c'est trop bien. Ouais, mais en fait, je l'avais trouvé la tablette tout à l'heure. Donc, en fait, vous êtes juste des petits cons. Genre, fallait vraiment faire la scène et tout, quoi. Ok, donc voyons avec l'aide de ce petite tablette, hop là. Non, ton doigt était pas synchro avec moi, je suis désolé. Ah, il voulait le changer. Il voulait acheter un autre droïde. Ah, le petit con. Donc en soi, c'est vrai, ce qu'il disait qu'il aimait plus et tout, c'était totalement vrai en fait. Mais si... Cause possible, Emma et toi, on va refaire la même. Mais elle t'aime, c'est pas elle qui voulait te remplacer, c'est le père. Père du sang, si on ne conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Oh, tu vas te calmer, le cyborg. Quelle différence? Je vais lui poser un garrot, d'accord? J'ai plus de batterie. Ignoré. Tu ne peux pas me tuer. Je ne suis pas vivant. Est-ce qu'il est possible que j'arrive à attraper la fille si on... Si on... Hein? Si on lui tire dessus. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Je vais refuser, je vais faire tous les pires choix au monde. Cette fois, c'est à moi de décider. Ne fais pas ça. Je crois que c'est ça que j'avais fait la dernière fois, j'avais sauvé la fille. Et je m'étais sacrifié à sa place, ouais. Exactement ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de différent? Donc là, on a fait la deuxième fin. Non, il nous en reste deux, en fait. Venor a plongé pour attraper la fille des snipers, on a battu un déviant. Quoi, il y a tout ça de fin possible? Bon, on va essayer d'en faire une autre, parce que celle-là, je la connaissais déjà, finalement. Et... On s'arrêtera là, je ne vous spoilerai pas plus. Vous essayerez de découvrir par vous-même. En fait, on peut vraiment tout prendre, faut juste analyser les choses avant. C'est juste le petit truc qui est dommage, parce qu'en soi, je l'avais vu depuis longtemps, mais... Ok, donc là, je peux le prendre et lui tirer dessus, en fait. D'accord, rien que ça. Est-ce que tu es armé? On va dire la vérité. Oui. J'ai une arme. Lâche-la! Ah, geste beau, est-ce que je tire? Est-ce qu'on va lui mettre un headshot? Non. Voilà. Je n'ai plus d'armes. Je n'appuie pas. Je n'ai pas appuyé. Voilà. Donc normalement, ça fait une nouvelle fin. Je crois. Ah, ça fait une fin. Bon. Il en reste 3. J'en ai fait la moitié. Du coup, là, c'était juste un mix de QTE, mais je pense qu'on peut le tuer au flingue ou d'autres conneries comme ça. J'ai pas tout fait, j'ai pas tout fouillé. Je vous laisse découvrir la suite, les petits pixels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le jeu sort bientôt, donc évidemment, on va faire du stream dessus et une vidéo YouTube probablement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les 3 fins si vous les avez découvertes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous fais les bisous. Au revoir.